Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de la boîte, enfin de la commode, c'est pas une boîte. Donc aujourd'hui on va faire les entourages. Voilà, Fifi est là. On va faire les entourages, l'arrière, le dessus et toutes les arêtes. Voilà, tout ce qui est sur le devant. Si je peux, j'attaquerai les tiroirs. Mais bon, on verra. Donc, je pense qu'il y aura une troisième partie avec les tiroirs. Et... Oups, désolée. Et donc, voilà. Aujourd'hui, il y aura la pose du tissu. Donc, je vous laisse regarder... avec Fifi, la suite de la vidéo. Donc, comme d'habitude, elle passe en accéléré, mais vous verrez très bien tout ce que je fais sur cette commode. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. Mais je reviens à la fin de la vidéo, si Fifi veut bien. À tout de suite.
Me revoilà. Alors, voilà. Donc, toute la structure est terminée. Il me restera sur la structure à faire le dessous. Et ça, je ne l'ai pas fait encore tout de suite. Parce que je réfléchis à savoir si je refais du carton et du tissu. Ou si je vais mettre du liège. Donc, ça, je vais voir à la fin. Hop là, il y a Fifi qui est passée sous la caméra. Alors, donc voilà. Donc, bon là, c'est pas encore tout à fait sec. Hein. Et puis, il y a encore des fils qui se baladent un peu partout. Oh, Fifi. Vous croyez que je vais pouvoir vous la montrer? Ça va. Donc, voilà. Donc, comme vous avez vu, j'ai gainé toutes les parties de la boîte. Donc, tout a été gainé. Le dessus, les côtés, toutes les arêtes ont été gainées. Et elles ont été recouvertes donc de tissu. Donc, c'est avec le tissu chat. Hein, voilà. Oui. Donc, l'arrière aussi. Donc, j'ai un peu galéré parce que, bon, là, ça colle encore. Hein, c'est pas encore tout à fait fini de coller. Ce que j'avais collé jusqu'en bas, alors qu'il fallait pas que je colle jusqu'en bas. Mais bon, voilà. J'ai quand même réussi. Hein, y a pas de problème. Donc là, j'ai quand même mis des petits coins en métal. Ici. Et ici. Vous voyez. Pour pas que ça s'abîme. Donc après sur le dessus, je vais le faire après. Je vais certainement faire comme un petit coussin, oui, molletonné. Et donc là, sinon il ne me reste plus qu'à faire donc les tiroirs. Donc les tiroirs, j'ai trouvé un tissu qui, je pense, ira bien avec. Je vais voir encore. Pifi, tu fais tomber. Non, tu te frottes pas dessus, c'est encore, c'est pas sec. Je vous jure, c'est pas tous les jours facile hein, avec Fifi. Eh non. donc après je vais faire les tiroirs. Ils vont avoir chacun deux petites poignées. Le tissu des tiroirs, j'ai pas. Bon, je vous dis, j'en ai trouvé un dans mes boîtes. Donc, alors je réfléchis. Si je mets celui-là, voilà, alors je vais vous mettre le. Vous voyez avec le tissu là. Voilà. Ou si je vais mettre un tissu plus rouge. Mais celui-là, je sais pas. Je pense qu'il irait bien. Je sais pas. Il faut que je voie. Vous voyez? Donc, je vais bien voir. Ou alors je vais faire vraiment du rouge. Et ou alors rouge et beige, puisqu'il y a des chats. Alors, il y a des chats gris, il y a des chats beige, mais il y a du rouge. Donc je vais voir. Comme vous savez, hein, moi je fais toujours mes choix à la dernière minute. Et puis ça va toujours très bien. Donc, de toute façon, je sais que Céline aimera sa petite commode. Donc, Céline, tu vois où en est ta commode. Elle arrive. Il n'y a plus que les tiroirs à mettre. Et les petites finitions. Fifi. Et petite finition. Cache ton cul. Non, mais... C'est quoi de mettre son cucu? Oh, regarde, t'es plein de colle. T'es plein de tissu. Oh là là. Donc, voilà. Et je vous dis, là, il n'y a pas encore les tiroirs, mais elle fait déjà son poids. Donc, voilà. Donc, bah, du coup, vous aurez quand même une troisième partie pour cette vidéo, enfin, pour cette création. Donc, je répète, comme j'ai déjà dit dans la première, il n'y a pas de tuto, puisque c'est trop, trop long hein, pour faire un tuto. Si certaines personnes veulent cette commande, je la referai, hein. C'est la dernière vidéo, j'avais dit, je la referai pas, mais bon, je la referai.
en sachant que, comme vous avez vu, hein, il me faut un grand nombre d'heures pour la faire. Donc, voilà. Mais bon, vous, comme vous savez, vous pouvez avoir tous les renseignements en me contactant par email ou sur mon Facebook. Voilà. Donc là, je vous donnerai tous les renseignements. Et non ! Grosse mimère ! Hein ? Grosse vache ! Oui, tu m'as mimère. Oh, tu m'as mimère. Oh, tu es mon grosse mimère. Oh là là, comment on aime sa mère. Vous avez vu comment elle aime sa mère. Donc oui, vous, si vous voulez des renseignements, vous me contactez par mon email, qui est toujours en barre d'infos, que je vais vous remettre là, ou par mon Facebook, pour celles qui me connaissent sur Facebook. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais mettre tout ça à sécher, et demain, ben, demain, on attaque les tiroirs. Parce que ce week-end, j'ai mes petites filles. Oh, c'est insolent. Ce week-end, j'ai mes petites filles, donc il n'y aura pas de cartonnage. Et voilà, ça fait un accro à mon pull. Et, il n'y aura pas de cartonnage, donc je vais me dépêcher demain d'essayer de faire le maximum pour les tiroirs. Voilà. Donc là, on va mettre tout ça à sécher. Et puis là, bon, comme il fait bon aujourd'hui, il fait soleil. Donc ça va aller très très bien, ça va sécher très vite. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous la remontre. Voilà. Bon là, elle ne donne pas encore grand chose puisqu'elle n'a pas encore ses tiroirs. Hein. Voilà. Et le dessus. Donc le dessous sera fait en dernier. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous bisous.